Je mange Picard pendant 24 heures, c'est parti. J'ai trop voulu tester ce pain perdu au caramel beurre salé. Après un passage rapide au grille-pain, c'était prêt et c'était vraiment trop bon. J'ai aussi pris des chocolatines, plutôt des pains au chocolat à faire au four. Ils étaient trop bons, chauds, croustillants. Franchement, je vous les conseille à 100%. Pour le midi, en entrée, j'ai pris des gaufres pommes de terre et mentales. Et là, les gars, c'était un mauvais choix. J'ai pas du tout aimé, il y avait zéro goût. Ensuite, on arrive à la meilleure trouvaille de la journée. Des gnocchis fourrés à la stracciatella de burrata avec une sauce au mori et du poulet. Regardez-moi ce fourrage incroyable. Oh là là, c'était trop bon. Je sais déjà que je vais racheter tout ça pour remanger ce plat digne d'un 5 étoiles. Il faut toujours finir par une touche sucrée, donc le dessert, c'est un crumble poire chocolat. Après un passage au micro-ondes, c'était prêt et c'était pas très bon et trop sucré. Pour le dîner, j'ai choisi ces pâtes pesto mozzarella que tu peux faire à la poêle ou au micro-ondes. Je les ai faites à la poêle et c'était vraiment pas mal du tout. Et pour le dessert, j'ai pris des tartelettes tatin mangue. J'ai pas pu résister, je l'ai directement mangé à la sortie du four. La pâte brisée, les mangues fondantes, c'était un délice. Et avec une touche de chantilly, oh